Ça dit quoi l'équipe? Eh ça je les vois. Et ça dit quoi bande de beaux gosses? Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va réagir à un truc que j'avais déjà réagi. Hein? On parlait des pierres ados, je sais pas pourquoi j'ai envie de me lever, d'accord? On parlait des pierres ados. Jusque là, rien de bizarre. On avait fait une réaction à des ados. Vous avez dit à 20 likes, on fait une Switch. Il y a eu 22 likes, mec. C'est énorme. Non. On a dans chaque vidéo le Coca-Cola et le petit rototo. J'ai dit que dans toutes les vidéos j'allais roter maintenant. C'est simple. Et aussi les gars, j'ai fait une autre connerie. Il y a deux vidéos de ça, j'avais tagué dans ma chambre. Voilà, vous pouvez le voir là et là-bas. Bon, comment dire? Parce que là mes parents ils ont été ok. J'ai fait un tatouage les gars. Pensez qu'ils vont être ok? L'attaque du dragon sage. J'ai volé à la cagoule celle-là. Toutes mes rêves sans rapport avec des youtubeurs. J'ai fermé ma gueule et puis on est parti quoi. Ouais les gars, j'ai la langue bleue à cause de tête brûlée. Oui, attendez. Je sais, je vous ma gueule. Vous voulez que je réagisse à la vidéo? Attendez s'il vous plaît. Oh. En mode de base, aujourd'hui je devais faire une vidéo. Là dedans, il y a 50 têtes brûlées. Je devais tous les manger en vidéo et voir si je saignais de la langue, etc. Il en reste 50 dans ce paquet. Vous me dites en commentaire si vous voulez une vidéo où je les mange tous. Je vais les garder à côté. Ou alors sinon je vais les manger. J'arriverai pas à attendre. Je vais vraiment racheter. Vas-y, j'arrête d'ouvrir ma gueule et on est parti. C'est fini là. Je me lâche, tu me casses les couilles là. Alors me parle pas s'il te plaît. Tu me casses les couilles. Arrêtez de lancer la caille comme ça. C'est pas à vous ça. Ça fait quoi? Bah sinon vous paierez tout. Je paierai tout, je paierai rien du tout moi. Mais c'est une racaille, la tête de ma mère, elle s'est pris un coup de genou dans les côtes. La côte est ou l'est? Comment ça, ma fille, elle est un enfer? Tu veux le mettre dans ma vie? Va quoi? Ta vie, elle est en enfer. Comment ça, ma fille, elle est un enfer? Wouah, j'ai eu peur. Non, ta vie, elle est en enfer. Tu crois qu'au haut de tes 14 ans, tu me fais peur? Mais pourquoi tu t'en prends? Mais pourquoi t'as autant de haine là? Parce que tout à l'heure, je suis dans ma gueule, tu me regardes. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a tapé, on t'a fait quelque chose? Garde la pêche, arrête de me parler. Garde la pêche, ça fait la deuxième fois qu'on me le dit dans la journée. Garde la pêche, ça veut dire quoi? Nique ta mère, t'as qu'à comprendre, si tu comprends pas, tu... Wouh! Outrage à agent. La gamine, je sais pas à quel âge, hein, mais elle parle comme ça, une Schmitt, c'est trop. Même moi. Franchement, je les vois devant moi, ils me regardent de travers, bah au calme quoi, vous voulez quoi? Vous voulez regarder dans mon sac? Allez-y, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Malgré leur jeune âge, les adolescents... Oh les racailles! Oh les racailles! Très vite, les insultes fusent, la dispute dégénère. Ah ouais, c'est comme un squat quoi, enfin, sauf que c'est dans un hall d'entrée. Oh bah écoutez, y'a pas de budget, vous voulez que je fasse quoi? Bah vas-y, dis-moi où t'habites. T'as Rébéval, viens voir. Rébéval, t'as grandi dans une cité encore plus gentille que la mienne, alors ferme ta bouche. Ferme ta bouche de mes couilles. Ferme ta bouche, elle veut dire gueule, mais elle s'est dit, oula, je suis dans mon uniforme, donc la petite gamine là. Je vais éviter d'aller la taper, parce que j'ai pris la voix de tête off. On descend, je vais te niquer ta mère, viens me faire un tête, parce qu'il y a marqué police, t'as un gueule à côté. Y'a rien. Tu te sens plus, tu crois que t'es chaude. Sur la vue, ma mère, viens toi et moi, on fait un test, je vais te niquer ta mère tellement. Putain, tu blagues, sur la vue, ma mère, tu blagues. Allez. Pute, bah, arrête de parler avec moi. Après, ne dis pas pourquoi je vous insulte, hein. Parce que je te parle pas, on t'a insulté, nous. Tu me parles pas, je te parle pas, tu me parles pas. Moins de bruit. Attends, on peut pas respirer tranquille. Il va y avoir des suites, à votre avis? Elle va porter une main courante, elle a dit demain. Elle peut aller. Elle va faire ce qu'elle veut. Qu'elle porte la main courante, qu'elle porte la main de mon cul, qu'elle porte la main. Oh, franchement, les gars, je comprends pas. Après, tu vois, c'est comme ça qu'elles vivent, tu vois. C'est bien. Mais quand même, genre, ayez un peu de respect pour les anciens. Je vois pas en quoi est-ce que ça vous dérange. Soit vous changez de bâtiment, soit vous faites un autre truc. Genre, vous avez pas un appartement, vous pouvez tous aller là-bas, les gars. Enfin, les filles, du coup, calm down. Vous voulez venir au CEF? C'est ça que t'as pris comme engagement? J'ai eu... T'as pris quoi comme engagement? Ah, tu peux plus faire que moi, Hélène! Si vous êtes pas à toi! Quoi? J'ai pris l'engagement de pas me faire taper sur la gueule! J'ai pris l'engagement de pas prendre de coups de genou! Alors t'en prends que j'ai les couilles, toi, et ton pas à toi! Désolé, les gars, normalement, vraiment, les accents, etc., je comprends. Mais là, je ne comprends rien, vraiment. Tu peux faire un accent du sud, québécois, tout. Normalement, je comprends, mais là, elle n'articule pas, je ne comprends pas. Et tu vois? T'as ma langue, elle est bleue, j'avais oublié à cause de ces putains de têtes brûlées. Dans la rame, elle s'impose bruyamment et gêne les autres passagers. Qui finissent par changer. Non, en vrai, non. C'est juste des cherche-merde. Je voulais essayer de trouver une excuse tout à l'heure, du style. Oh, Michou vient de sortir une vidéo. Je m'en bats les couilles. Je voulais juste trouver une excuse tout à l'heure en mode. Elles auraient pu faire autrement. Non, elle veut juste chercher la merde et ça se voit. Un chahut exaspérant pour les voyageurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça c'est danser ça? Mais appelez-lui un médecin là, elle est en train de convulser la pauvre. Elle est en train de mourir là, appelez un médecin! Oui, allô?
C'est pas un téléphone, merde, putain. T'es chier. Arrête de parler. Encore eux. Bé, bé, bé. L'embrouille, elle s'arrête jamais, hein. Parler. Bah alors, arrête de parler avec moi. Arrête de parler avec moi. Si t'as pas, t'as qu'à pas m'écouter. T'as qu'à tout donner, tourner le regard et regarder là-bas. Regarde la scène. Vas-y. Allez, regarde. Salope de mes fesses. Vas-y. Salope de mes fesses. Mes fesses. Alerté par un. Ah, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça. Mais c'est pas un ado, lui. Il a 11 ans. Connais bien. Pascal panique. Loïc. Et se précipite dans le jardin. Oh, la team pétard, on est là. Attendez, vous êtes pas prêts. La team pétard, toujours, on est toujours là. Des pétards ici, des petits feux d'artifice. 400 coups, bah bien sûr. Je sais pas, un pack avec des fusées, je sais pas quoi. Des mouches, d'autres petits trucs, encore une petite fusée. Et vous savez quoi, je m'en suis recommandé. Donc, la team pétard, on est là. Dites-moi si en commentaire vous faites partie de la team pétard. Et je parle pas de la droge. Vas-y, maman, faut que je range. Tout ça à cause d'une blague qui a même pas fait rire. Si. T'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Mais alors vraiment, tu cherches le problème, quoi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça. Après ce nouveau clash avec sa mère. Les gars, vas-y, vous savez quoi? Je vais pas regarder cette séquence-là avec lui. Est-ce que ça vous dit que je regarde l'épisode entier? Parce qu'en fait, je ne me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est bien sûr la musique. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Mais est-ce que ça vous dit? Vas-y, on va dire à 25 likes, réagirai entièrement à l'épisode. J'espère qu'il dure pas une heure et demie, mais quand même, c'est pas grave. Boutique, encore elle! Putain! À peine entré, le vigile les reconnaît et les met dehors sans ménagement. Je vais sortir tout seul, me dis pas de dégâts, je vais pas rigoler avec toi. Vas-y. Pour ces oh merde, putain, j'ai pas eu le micro, il me cache complètement. Je fais une vidéo réaction comme ça. C'est super cette histoire. Mais elles sont vraiment honteuses, ces femmes. C'est très grave, j'espère qu'aujourd'hui elles sont mamans et qu'elles se sont calmées dans leur vie sociale, parce que si je leur ai mal parlé, ils vont venir. Non, c'est bon, je rigole. J'avais pas vu le micro d'un en face de moi. Excuse me, guys. Incroyable. On fout, l'autre, je crois que je vais te mais c'est pas fini leur insulte. Non, c'est bon, ça me saoule. Oh, elles sont chiantes, là. Je suis trop forte. 10 minutes, pas plus, à l'intérieur du magasin. Là, on est là. Là, chargé. Elle n'hésite pas à voler, même les plus gros articles. Après, elle s'étonne qu'on ne les laisse pas rentrer dans un magasin. Non mais là, c'est trop, je vous jure, c'est trop. La meuf, elle insulte parce qu'il refuse de qu'il rentre dans le magasin. Mais dès qu'elle rentre dans le magasin, elle vole quelque chose. En même temps, c'est normal, non? Genre, pourquoi tu veux pas que je vienne chez toi, Alexis? J'ai pas envie, tu vas me voler des choses, mais rien à voir. Je vais aux toilettes. Normal, je vais aux toilettes. Je reviens. J'ai plus de cartes Pokémon. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Comme un parapluie. Ou ses bonnets. Dans une rue adjacente, elles font les comptes. Elles ont volé pour 200 euros de marchandises. Putain, elles sont fortes les kleptomanes, hein. Ouais. Mais cette fois, un policier les a vus. Le carton, il était là, par terre, c'est un garçon qui l'a jeté en l'air. Pourtant, même prise sur le fait, les filles vont braver l'autorité. Ah, tu m'as vu le prendre dans le magasin? Oui, je t'ai vu le prendre. Oh non, j'en ai marre d'elle. Oh c'est bon là, la vie de ma mère c'est drôle. Ah c'est bon, je commence à prendre leur langage là. Ah t'es tarpincon, ah t'es tarpincon. Bon bah écoutez les abonnés, je pense que cette vidéo elle a été peut-être cool, peut-être pas. Vous me dites en commentaire, de toute façon j'ai dit à 25 likes, je réagirai au. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça. Voilà, donc vas-y on va se laisser sur ça les gars. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et salut bande de beaux gosses.